Yash la famille! Petite vidéo hors série, mais un hors série complet. Un coup de cœur de ma part trouvé sur Steam. 8-Bit Boy. De l'aveu de son concepteur, c'est un hommage au Mario Bros. Et à tous les jeux de plateforme qu'il a pu connaître sur les consoles 8-bits. Comment vous dire? L'ambiance du jeu, la réalisation, j'ai vraiment l'impression de jouer à Mario. Par contre, on a une chose qu'il n'y avait pas à l'époque, c'est la jouabilité. Mais je vais pas trop en dire. Je vous laisse profiter de la vidéo, profitez-en bien, et je vous dis à tout de suite. Et on est parti pour 8-Bit Boy. Je suis accompagné de ma manette, parce que ce jeu peut se jouer à la manette, et c'est vraiment sympa. J'ai vraiment l'impression de jouer à le vieux Mario, ou un truc dans le genre, ça y ressemble beaucoup. En plus, il y a la possibilité de sauvegarde. On va commencer au level 1-1, on va voir ce que ça donne. On va faire quelques levels ensemble, ça va être un test assez rapide, somme toute rapide. Oups! Et ma casquette! On peut courir sauter, comme dans Mario. Mais non, monsieur l'arbitre, je lui sautais dessus, là. On est vraiment sur un déroulement à la Mario. C'est plutôt plaisir à voir. Les graphismes sont vraiment pas mauvais, hein, malgré le fait que ce soit du 8-bit plutôt propre. Mais... Bon, on recommence. Oui, reload. Reload. Je suis vraiment nul à ce genre de jeu. Regarde ça, c'est pas beau ça? Alors, c'est vraiment pas mal parce qu'il a ajouté un truc en fait qui faisait énormément défaut à Mario, c'est le rebond des balles. Voilà, on peut viser tout droit, et ensuite tu peux viser vers le haut. C'est vraiment bien pensé. Allez, on passe au level 2. Pas mal ce petit jeu. Actuellement, il est à 79 centimes sur Steam, les gars. 79 centimes. De ce que j'ai vu, il y a à peu près 5 ou 6 levels. Donc, à l'écran de chargement, j'ai vu 5 ou 6 levels différents. Donc s'il a la même durée de vie que Mario, et qu'il est à 79 centimes, foncez, les gars, foncez. Crève, charogne! Ouais. Ah, scheisse! Comme dirait Bourri, nom d'un strudel. Strudel ici, strudel ici, strudel ici, strudel! 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 Scheiße.
En tout cas, la jouabilité est excellente. Hein. C'est pas le jeu qui est nul, c'est moi. Je vous le dis tout de suite. Voilà. 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 Le mec, il se fait toucher par 2 centilitres d'eau. Il peut pas aller plus loin. On recommence. Très bien, je reprends au moins 2. Les serpents. Mon petit nid non plus. Les gens, un passage qui est prêt par là. Non, bon, je peux pas descendre. Les niveaux sont assez bien construits pour l'instant, de ce que j'ai pu voir. Un coup de main à prendre, mais c'est vraiment pas mal. Ah bah c'est quelques pièces quand même. Voilà, mon test est terminé et franchement je suis vraiment impressionné par ce jeu. Petit jeu à 79 centimes, 79 centimes à l'heure actuelle sur Steam. Vous avez le lien en dessous, achetez-le parce que je pense qu'il y a moyen de bien se marrer. Hein. Je vous ai montré que 3 niveaux, vous l'avez vu, je suis pas forcément très bon à ce genre de jeu. Mais voilà, quoi, il y a de quoi s'amuser. On peut jouer aussi bien en normal qu'hardcore. Alors n'hésitez pas, foncez. C'est un jeu over the top. Et en gros, bah, si je devais le noter, je le note comme ça, rock and roll. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.